Et salut tout le monde, c'est Maximo Grimm et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Harry Potter et la Coupe du Monde de Quidditch. Ah donc après ces quelques victoires écrasantes, ces victoires faciles, nous allons affronter l'Angleterre lors du tour 5. Je crois qu'il y a 10 tours, nous arrivons à la moitié du championnat. Ou peut-être qu'il n'y en a que 8, j'en sais rien, on verra. Est-ce que nous allons découvrir un nouveau Bonjour terrain? Bonjour tout le monde, ici Ludo Verpet, en direct du stade national anglais de Quidditch, pour vous présenter le match opposant le Japon à l'Angleterre. Je commenterai le match d'aujourd'hui avec l'aide d'Arnold Vogler. Le match d'aujourd'hui se déroule dans le cadre pittoresque. C'est de toute beauté. Oh, cette coupe de cheveux. Oh là là, regardez-moi ces coupes. Ouh, joli balai avec elle. C'est un magnifique terrain, un château quoi. J'aime beaucoup. Espérons qu'ils soient meilleurs que les équipes qu'on a affrontées. 10 points déjà. Ce soir devient presque invisible lorsque ses forces se le passent entre eux. Ouais, c'est toi qui le dis mon gars. Non. Non, qu'est-ce que je fais? Ok, je me laisse aller là. On ne sous-estime au cinquième tour de la coupe de Quidditch, donc la difficulté devrait être plus élevée. Donc là on va pas se donner de. On va pas se fixer de 2 points parce que c'est moins marrant. Je me disais, on pourrait peut-être se faire chier, il faut se donner un objectif, mais en fait l'objectif rend ça complètement nul puisque c'est que du faut marquer. Non là franchement non. Oh. Ils ont des belles tenues les joueurs. Et ce terrain est vraiment splendide. Le défi est lancé, mais l'Angleterre ne semble pas vouloir le relever. Mais comment ils humilient les équipes quoi. Hop. Peut-être verra-t-on leurs coups spéciaux. Et possiblement un jour le nôtre, ce serait bien, mais. Ah, ça s'annonce. Ah, une nouvelle tête. Ça s'annonce bien trop facile. Oh non, pas encore. Eh bien écoutez, en tout cas moi j'espère que je vous en parle, mais que le petit let's play que je fais sur Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban vous plaît. Et je crois vous le dire très simplement qu'en fait je me suis un peu trop emballé au début de ce let's play, mais je sais plus quand est-ce que je vous l'ai annoncé, je me souviens plus très bien que j'allais jouer au jeu PS2 ou ces jeux-là. Parce que j'ai d'autres projets que je garde secrets pour l'instant. Projet de vidéo très intéressant, c'est moi qui vous le dis. Mais en tout cas, si je dois vous dire une chose, c'est que je m'éloigne du gaming. C'est-à-dire que j'ai accordé une grande place au gaming dans cette chaîne YouTube. Aïe. Et alors que, à l'origine, c'est pas du tout ça, c'est-à-dire qu'il y a du gaming, mais il n'y a pas que ça. Il y a de la culture, il y a des tops, tout ça, il y a de l'horreur. Enfin bref, c'est. Donc, je vous dis pas ce que je vais faire, mais j'espère que ça vous intéressera. Donc globalement, dès qu'on aura terminé cette Coupe du Monde et le let's play sur. Sur Harry Potter à la chambre des sacres. Et le prisonnier d'Azkaban. Eh bien, on change de sujet. Et donc, pendant que je vous parlais, j'ai pas fait gaffe au score, mais je m'en rends compte qu'on est déjà à 130-0. Alors que cela fait même pas 5 minutes que l'on joue. C'en est risible. Bim! Allez, pitié. Un peu de difficulté.
je m'amuse de moins en moins. Petite balle lente, t'aurais pu l'avoir. Mais l'Angleterre ne semble pas vouloir le relever. Vosper. Ah. Ah. T'es en train de se attraper. C'était pour toi, abruti. C'est bien joué. Bravo. Suzuki. Hop. Ah, je vais tout droit et personne ne m'arrête. Et toi, bim. Ils essaient même plus d'essayer, mais ils sont là. On dirait qu'ils sont résignés. Ça me plaît moyen. Exact. Je supplie l'Angleterre de se réveiller. Parce que oui, vous savez bien bloqué. Et encore, hein, je vous ai mis 180 points dans la vue, donc 200 points, 290 je veux dire. Mais à part ça, niveau jeu, je passe sur quelque chose de magnifique. Hein. On va les laisser avancer un petit peu. Qui fait la passe ? Prosper. Il le récupère. Hop. Qui renvoie le soif au loin ? Il passe le soif avec une grande habileté. Hop. Ah non. Oui. Dégage. Voilà. On fait des petits zigzags, des petits effets sympas. On démonte les joueurs adverses, histoire qu'ils ne puissent plus se relever. Et on marque. Ouais. Avec ce genre de petits effets, on voit bien le terrain, qui est franchement l'un des plus beaux que j'ai vu. Oh. Hop. Voilà. Semble pas vouloir le relever. Qui le lance ? Flitney. Pas question que vous développiez un mouvement spécial équipe. Alors que moi j'en ai pas eu depuis le début de cette compétition, ça ne me plaît pas du tout. Non, ils vont le faire, ils vont le faire, c'est pas bon. C'est pas bon. On l'a vu dans l'attaque spéciale. Non, on l'a pas vu encore. Non, on l'a pas vu encore. Ah bah alors c'est bon, on peut les laisser faire. Allez-y. Yeah. Très beau spectacle. C'est violent. Et alors quoi, vous jouez au foot, vous? C'était pas mal. C'était pas le meilleur, mais c'était pas mal. Sato, qui fait la passe ? Tanaka, fait la passe. Suzuki, il dégage. Intercepte le soif. Qui renvoie le soif. Sato, c'est dedans. Oh, un arc-en-ciel. Ah, j'ai raté mon coup. Passe à gauche. Tanaka. Il le fait passer. Je m'amuse moyen là. Sato. Frisbee. Ah, voilà. Effectue un arrêt parfait. Frisbee s'appelle le gardien. Vosper. Qui renvoie le soif au loin. Sato. Foxworth. Saisis le soif. C'est
Oh mon dieu, je baille en plein match. C'est inadmissible. C'est inadmissible que je m'ennuie à ce point. Je n'apprécie pas du tout. Qui renvoie le soif. Oui. Il s'est volé comme personne. Foster. Hop. Soudric lance une autre attaque de Cognard. Tanaka donne tout pour ce titre. Oh là là, on est déjà à 300. Vous vous rendez compte. Est-ce qu'il y a des touches que j'aurais pas, que j'aurais oubliées, que je ne contrôle pas? Suzuki avance vers les buts. Sato. Et la touche contrôle, c'est quoi? On frappe dans le soif. Il a réussi. Hawksworth. Il le reprend. Tanaka. En position de tir. Très bien. Fais la passe. Il passe le choix sur une grande habileté. Frisbee qui l'attrape. Le gardien sait se servir de ses mains. Ouais, enfin, il s'est passé 320 buts, quoi. Enfin, 320 points. Passe clair. Sato, Tanaka, il le met dedans. Quelle déception. Je vais arrêter de parler. C'est-à-dire que ouais, donc là déjà je parlais pas beaucoup, mais à moins d'avoir vraiment quelque chose d'intéressant à dire, je vais juste vous laisser regarder. Ma foi. Parce que là ça devient chiant. En fait la seule raison pour laquelle vous voyez ces épisodes, parce que là très clairement, si je les ai mis sur ce YouTube, sachez-le que je n'en suis pas fier du tout. Sur le sens où, étant donné qu'il n'y a pas vraiment de divertissement, d'amusement, le seul attrait que je peux lui donner, c'est la découverte des nouveaux terrains, des nouvelles équipes. Et donc, parce qu'on a commencé la Coupe du Monde, finir la Coupe du Monde, ça n'aurait pas été logique sinon d'avoir mis le début des épisodes et pas la fin. Mais sinon, voilà, sachez que je suis plutôt déçu de ce jeu finalement. Je m'en étais fait une idée qui n'était pas si énorme, c'est très répétitif et il n'y a pas de difficulté quoi. Donc très clairement, si les épisodes sont là, c'est que juste pour que vous puissiez voir un petit peu comment ça se passe jusqu'à la fin. Enfin voilà quoi, voilà. Donc je vais parler de moins en moins. Là je meuble comme je peux, mais je vais parler de moins en moins. Je vais juste vous laisser regarder, observer. Ça va devenir encore plus chiant, je le sais. Mais bon, c'est que je peux pas faire grand chose de plus. Déjà à 400, vous vous rendez compte. Qui fait une passe longue. Sato, il réussit son coup.
renvoie le soif non loin. Quel but! Comment les gens dans les tribunes peuvent encore être à fond, ce match est à sens unique. C'est comme voir une espèce de match de boxe avec, je sais pas, un mec avec un fusil et puis un autre qui se bat avec ses poings. Belle reprise. Ce n'est pas suffisant. Tanaka, il a réussi. Flitner, qui passe. Suzuki. Ouais, je fais n'importe quoi. J'appuie sur toutes les touches pour essayer de voir si je peux avoir une, un coup spécial quoi, ça me fait chier. Je veux mon coup spécial. Ah. Hop, y a pas moyen. Je veux pas développer des mouvements spéciaux simples. Je veux développer des mouvements spéciaux de groupe. Rapide, Noriyuki Sato qui fait la passe. Ah non, pourquoi je marque encore et encore sans qu'il y ait aucune difficulté derrière. Il élimine le poursuiveur qui intercepte la passe. Yoshihiro Suzuki, Ryotaro Tanaka qui le lance. Noriyuki Sato. Ah oui, vous avez bien fait de le stopper celui-là. Et hop. Yoshihiro Suzuki. Il le récupère. Allez, je me barre du terrain, salut. Dommage, je peux pas. Ouais, je me trimballe un peu où je veux. Qu'est-ce qu'il pourra faire lui? Ah, il a marqué, mince alors. Ryotaro Tanaka, Noriyuki Sato, Shudrik envoie le cognard à l'attaque. Qui le lance? Ryotaro Tanaka, Oxfos rattrape la balle perdue. Je n'ai plus la foi en ce jeu. C'est vraiment immortel. Et regardez, ils n'ont pas gagné, même avec leur combo. Enfin, je sais pas, les Français, ils avaient réussi à gagner des points de jauge en bloquant beaucoup de tirs, en ayant beaucoup d'effets sur le terrain. Eux, regardez la jauge qu'ils vont avoir pour le Vif d'Or. Rien du tout. Les Anglais, je suis désolé, mais là, sur ce jeu, vous êtes minables. Je vais m'arriver à faire n'importe quoi. Qu'est-ce que... Hop. Ah, j'imagine que ça va faire pareil. Je pourrais pas faire mon dernier. Ah si, si. Il est fort probable que si, et oui, et voilà, la limite qu'on s'était fixée dans l'autre épisode est arrivée dans cet épisode-ci. Nous avons obtenu 500 points. Oh là là, 510 points même. Hop. Ah
Regardez-moi ça. Tu m'étonnes que l'attrapeur adverse il soit ridiculement loin derrière. Ah, hop, 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 hop. Ah. Ah. On y est presque. Ah. Et voilà. Oh là là, cet épisode est bien trop long pour ce que c'est. Hein. C'est pas bon. Ah là là. Eh bien écoutez, on va sauvegarder, on se retrouve dans le prochain épisode. Avant ça, comme d'habitude, on va voir qui est-ce qu'on affrontera au prochain et quels ont été les scores des autres. 290 pour la France et pour l'Espagne. Ouais. Regardez, 3030, ils sont même pas à 1000 la France, ils sont même pas à 1000. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et les prochains, c'est qui? Ben où est-ce qu'on est? On est pas dedans? Et pour le tour 6, ah bah oui, on a eu un tour carrément où il y avait payé, on était pas dedans, d'accord. Et ils sont toujours pas mis, mais c'est la Bulgarie qui monte. Mais bon. Tour 7, on affronte l'Allemagne. Et on se retrouve dans le prochain épisode. Salut!